Aujourd'hui, c'est la vidéo de la démesure. Vous le savez, si vous me suivez, la dernière fois, on a présenté un écran, je le trouvais déjà énorme. Mais alors aujourd'hui, celui que je vais vous présenter, je le trouve doublement énorme. Eh bien, bonsoir à tous, ici Jolotte pour vous présenter une toute nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler écran, écran de la marque InnoCN et vous allez voir qu'on a reçu un monstre. Je vais bien sûr vous le présenter en détail de haut en bas sous toutes les coutures, mais avant cela on va faire le tour de l'unboxing et après on parlera un peu plus technique. Déjà, comme vous pouvez le voir, on va recevoir ça dans une boîte énorme, forcément. À l'intérieur, on va l'ouvrir, on va voir que c'est très bien protégé avec deux plaques de polystyrène. On va retrouver bien évidemment un petit peu de dock, un fil HDMI, un fil DVI ainsi qu'un petit tournevis histoire de monter le pied sur l'écran. Nous allons retrouver bien sûr le pied de l'écran et nous allons retrouver l'écran en lui-même. Qui est juste énorme. Derrière, on va retrouver 4 sorties, 2 pour l'HDMI, 2 pour le DisplayPort et bien sûr la fiche d'alimentation. La première chose qui va taper à l'œil lorsqu'on va déballer l'écran, c'est vraiment l'énorme dalle de 39 pouces incurvée. Et c'est vrai que quand je l'ai sorti de la boîte, je me suis dit, mais what the fuck, je vais vraiment mettre ça sur mon bureau? Non, parce que là, clairement, on se rapproche plus d'un format télévision que d'un format moniteur de PC. Et c'est vraiment pas pour me déplaire parce que vraiment l'expérience de jeu est incroyable sur un big écran comme ça. En plus, incurvé, c'est la première fois que je teste un écran incurvé, j'en ai jamais eu. Ça rajoute un petit plus sur le confort visuel. Actuellement, j'ai un écran InnoCN 44 pouces en ultra-wide, donc déjà, quand je l'ai déballé, je trouvais ça démesuré. Et vous vous dites très certainement que l'autre fait 39 pouces, donc il est un petit peu plus petit. Eh bien, pas forcément, en fait. En fait, il est plus grand. Pour tout vous dire, il est plus large. Et ça, en fait, ça vient du format, puisque l'InnoCN 44 pouces que j'ai devant moi fait 32 neuvièmes. Donc, c'est très long, mais moins haut. Et le InnoCN 39 G1R que je vous présente aujourd'hui a un rapport de 16 neuvièmes. Donc, on est sur une télévision, clairement. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails de cet écran, on va être sur une résolution Quad HD. Donc 2560 par 1440 pixels. On est sur un écran qui va être capable de monter jusqu'à 165 Hz. Alors ça, c'est si vous le branchez en DisplayPort. Si vous le branchez en HDMI, vous allez pouvoir profiter jusqu'à 144 Hz. C'est presque trop, moi qui joue en 60 FPS. Un 60 Hz, ça me suffit amplement. Mais j'ai testé bien sûr pour vous la 165 Hz dans la vidéo. Et donc pour vos jeux qui montent à plus de 100 images par seconde, vous allez vraiment avoir une expérience de jeu très fluide. Alors là, bien sûr, c'est si vos composants tiennent la route pour pouvoir profiter d'un jeu qui monte à 165 images par seconde. Sinon, vous ne verrez pas la différence. Si vous jouez sur des jeux qui montent à 60 images par seconde, ça sert à rien. Ce qui va être intéressant, ça va être les paramètres de cet écran, puisqu'on va en avoir vraiment pas mal. On va pouvoir régler un petit peu tout ça comme on veut. Notamment, on va pouvoir activer l'HDR. Donc ça, franchement, c'est cool. On va pouvoir séparer l'écran en deux. C'est-à-dire que si, par exemple, sur votre carte graphique, vous voulez brancher un HDMI et un DisplayPort, vous allez avoir deux écrans en un. Sur un format 16 neuvièmes, il va être là le problème de partager l'écran en deux, c'est que vous allez vous retrouver avec deux écrans qui vont être assez écrasés. Donc, j'ai pas trouvé ça au top pour le gaming ou même pour regarder des films, des vidéos, surtout dans ce format-là. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Donc, pour moi, je le laisserai tel quel avec juste un écran. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est si vous séparez votre écran en deux, si vous voulez vous retrouver avec deux images convenables, vous allez devoir tout simplement agrandir votre fenêtre et déborder, entre guillemets, sur le deuxième écran. Et donc là, vous allez pouvoir profiter d'une bonne résolution, d'un bon aspect, sans pour autant avoir un écran qui va être écrasé. Si par exemple, vous streamez, vous jouez en fenêtré, vous débordez sur le deuxième écran, et puis à côté, vous avez encore la place pour mettre un chat. Après, vous avez toujours le mode PIP qui va vous mettre votre deuxième écran en tout petit dans un coin. Donc ça, ça peut être pas mal. Vous allez bien sûr pouvoir régler la grandeur de ce deuxième écran si vous voulez qu'il soit tout petit, moyen, large. Vous allez également pouvoir régler sa position sur l'écran si vous voulez qu'il soit à droite, à gauche, en bas, en haut. À l'arrière, vous allez avoir des lumières RGB sur l'écran qui font plutôt très stylé. Alors, ça fera juste office de décoration puisque en réalité, ça n'a pas grand intérêt. Moi, je pensais vraiment que ça allait péter et que ça allait faire genre un système un petit peu ambilight, vous voyez, que ça allait suivre un petit peu les couleurs de l'écran. Bon, j'ai trop rêvé. Au final, c'est juste une petite décoration. Voilà, ça pète pas tant que ça. Pas suffisamment pour faire comme un kit ambilight. Hein. Ça vous fera juste un petit peu de lumière derrière l'écran. Vous pourrez le faire en mode sport, en mode RGB, en mode fixe, en mode... vous pourrez mettre la couleur que vous voulez. Mais ça fera juste office de décoration. C'est pas quelque chose qui va rendre la visualisation plus immersive, comme un kit ambilight par exemple. Par contre, lorsque vous allez mettre l'écran sur votre bureau, il va falloir prendre une certaine distance avec celui-ci pour pouvoir en profiter pleinement. Hein. C'est-à-dire que si là vous êtes en mode navigation classique, clairement vous êtes comme ça les mecs. Vous allez attraper un torticolis, vous allez vous faire une luxation quelque part. Non mais c'est sûr. Donc vraiment c'est adapté, mais si vous prenez du recul, et du recul avec un 39 pouces en format 16 neuvième, faut en prendre pas mal. Ce que je veux dire, c'est que ce sera pas adapté pour jouer là comme ça en mode clavier-souris posé juste devant votre bureau.
vous allez être trop près de l'écran. Même si, bien entendu, l'écran possède une réduction de la lumière bleue. Je ne l'avais pas précisé, mais ça, c'est cool. Ce que je n'ai pas précisé non plus, c'est que vous allez pouvoir brancher une paire d'enceintes sur l'écran. Alors, une paire d'enceintes ou un casque, puisqu'il y a une sortie jack 3.5. C'est vrai que moi, sur mon bureau, j'ai remis mon écran InnoSen 44 pouces, que je trouve franchement très bien en ultra-wide. J'ai pas gardé le 39 pouces en 16/9. En tout cas, je l'ai pas gardé sur le bureau. Et oui les mecs, puisque j'avais 2-3 vis qui traînaient, 2-3 rondelles, j'ai fait un petit bricolage et je l'ai bien sûr adapté sur mon simulateur. Et là franchement, c'est sa place parfaite les mecs. Vous avez un pare-brise de malade mental, incurvé en plus. C'est juste un régal pour le simulateur. Et du coup, pour mon utilisation personnelle, j'ai trouvé que sa place était bien meilleure là-bas que sur le bureau directement. Donc bien sûr, sur l'écran, vous allez pouvoir brancher votre console, hein, que ce soit votre PS3, la 4, la 5, les Xbox, Nintendo Switch, enfin toutes les consoles que vous voulez. Donc en fait, c'est pas forcément juste un moniteur de PC les mecs, ça peut très bien servir comme une télévision. Une télévision performante, puisque là vous allez pouvoir monter jusqu'à 165 Hz. Et c'est vrai que pour le coup, quand j'ai reçu l'écran, bon déjà je me suis dit, voilà, j'ai vu 39 pouces, j'ai dit bon bah j'ai déjà un 44 pouces, donc forcément le truc il va être un peu plus petit. Par contre, j'avais pas vu que c'était un format 16/9. Donc en fait, bah, il est plus grand les mecs, et c'est vrai que ouais, direct, dès que je l'ai déballé, j'ai dit mais... What the fuck les mecs, je vais mettre ça sur le bureau. Alors je l'ai mis sur le bureau, j'ai essayé mais franchement, ouais c'est chaud quoi. J'ai testé un peu de gaming dessus, franchement c'est un régal. Donc bien sûr adapté et parfait pour le gaming les mecs, hein, puisqu'on va avoir un temps de réponse de seulement une milliseconde. Donc autant vous dire que si vous faites du compétitif, hein, style les jeux Modern Warfare, Valorant, Fortnite, j'en passe et bien des meilleurs, vous n'aurez aucun problème. Alors après c'est vrai que pour profiter de la 165 Hz, déjà, il faudra le brancher obligatoirement en DisplayPort. Et surtout, il faudra que vous ayez une machine qui tienne la route pour pouvoir proposer du contenu à 165 FPS. Je veux dire, déjà aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucune console qui propose du 165 FPS. Alors, je sais que PS5, Xbox Series X, ça peut monter, je crois, par moment jusqu'à 120 images sur certains jeux. Et si vous voulez jouer à 165 images par seconde sur le PC, faudra qu'il tienne la route, les mecs. Donc après, évidemment, ça va dépendre des jeux. Si vous faites du Counter-Strike, du Valorant... Vous voyez, des jeux qui demandent pas trop de ressources, vous n'aurez pas de peine à profiter des 165 Hz. Bon, en conclusion, les mecs, franchement, ce petit écran, que dis-je, ce grand écran InnoSen, je le trouve bien mieux là où je l'ai mis, c'est-à-dire sur mon simulateur que sur mon bureau. Ça, c'est mon avis personnel, hein, c'est pour mon utilisation, mais vraiment, je trouvais que c'était trop près pour faire de la navigation. Je vais juste me luxer le cou, quoi, au bout d'un moment. Par contre, côté simulateur, vraiment, c'est énorme, les mecs. Là, on a un putain de pare-brise, il est énorme, c'est incurvé. C'est vraiment génial. On a vraiment une très bonne expérience pour ce qui est du simulateur. En tout cas, les galéfis, cette vidéo va se terminer. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Si le InnoSen 39 G1R vous intéresse, ouais, ils ont des noms qui sont assez longs. Bien évidemment, je vous mets un petit lien dans la description, comme d'hab. Merci d'avance pour tous vos petits likes, vos abonnements. Ça fait plaisir. Et puis nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous dis à bientôt. Salut!